Tout, 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 tout
l'orizzonte è una grande luce, già nella stanza, invogliando la vita, facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci ricorda, non si vede, se non si cede, la verità. Le strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura e da queste terre. Le voci come me, visto da noi siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua luce, cantando a una versava sangue per amore, che ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire, seguendo Cristo insieme a piedi, nasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi, siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Avanti nella storia, chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Passati secoli di storia, di vite date per amore, santi che han creduto, gli uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare, come Gesù siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Per ricominciare, per
El tiempo de cambiar, hoy es el día siempre nuevo para recomenzar. Cambiar de ruta y con palabras nuevas, cambiar el corazón para decir al mundo, a todo el mundo, Cristo Jesús. Preghiamo gentilmente di prendere posto prima dell'inizio della Santa Messa. Alla fine della Santa Messa vi preghiamo di rimanere al vostro posto, nel vostro settore, fino a nuove indicazioni da parte degli organizzatori. Grazie. Good morning and welcome. We invite you to take your seat slowly. At the end of the Holy Mass, we invite you to remain seated until next information. Thank you. All'orizzonte una grande luce viaggia nella storia, e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Le strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura e da questo cielo, per il mondo intero, di voce l'uomo vero, Cristo tra noi, siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Ha versato sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire seguendo Cristo insieme a Pietro, rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi, siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Fatto è Cristo il suo figlio, l'umanità è rinnovata.
sorpresa, la vita ha vinto, Pasqua in tutto il mondo, un vento soffia in ogni uomo, lo spirito fecondo che porta avanti nella storia, la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Passati secoli di storia, di vite date per amore, santi che han creduto, di uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare, come Gesù siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emmanuel, Emmanuel,
Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous en direct sur Vatican Media Radio Vatican pour vivre la messe que va présider dans un court instant le pape depuis la place de l'Unité à Trieste, dans le nord-est de l'Italie. Trieste qui accueille une visite pastorale du pape à l'occasion de la clôture de la 50e semaine sociale des catholiques italiens, organisée par la conférence italienne, la conférence épiscopale italienne. Et avec vous pour les commentaires, Françoise Niamia, le pape qui est déjà sur les lieux, sur cette place de l'Unité. Tout est mis en place pour le début de cette messe, messe que vous allez suivre dans quelques instants à travers nos radios et télévisions partenaires pour ce dimanche, IWTN TV France, KTO Radio France, RCF Radio Chrétienne en France, Radio Espérance, Radio Notre-Dame, Radio Salve Regina en Corse, en France, et également via notre site internet vaticannews.va, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. À tous et à toutes, soyez les bienvenus dans cette célébration qui, d'un moment à l'autre, va débuter. Alors, le pape qui est déjà à l'autel, le peuple de Dieu déjà rassemblé. Alors, nous le disions, pour ce dimanche, cette messe sera présidée par le pape. Et nous aurons comme lecture
La première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel, le psaume responsorial, le psaume 122, la deuxième lecture de Saint Paul apôtre Corinthien et l'évangile sera de Marc. Et nous entrons dans cette célébration eucharistique avec le chant d'entrée. La procession d'entrée avec le chant d'entrée, Dieu t'a choisi, Dieu t'appelle, dans son amour, il te veut avec lui, répand son évangile dans le monde entier. J'aime de paix et de bonté, Dieu te guide comme un père, tu trouveras la vie avec lui, rends-lui grâce, sois fidèle et que son royaume s'ouvre à toi. Dieu te nourrit de sa nourriture dans le désert, il demeure avec toi. Maintenant, ne ferme pas ton cœur, partage ton pain avec celui qui n'en a pas. Dieu tient sa promesse en Jésus-Christ, il te transformera, porte chaque jour la prière de ceux qui sont sans espérance. C'est en substance ce que chante le chœur pour cette messe présidée par le pape, messe Andrette de Trieste. Tous ceux qui viennent de nous rejoindre, non seulement en direct de la place de l'Unité de Trieste, où le pape est en visite pastorale à l'occasion de la clôture de la 50e semaine sociale italienne. Le pape qui a, au début de cette visite, a rencontré les participants à cette semaine. Et nous entrons maintenant dans cette messe présidé par le Saint-Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Le Seigneur Jésus, qui nous invite à la table de la parole et de l'Eucharistie, nous appelle à la conversion. Nous reconnaissons nos pécheurs et évoquons avec confiance sa miséricorde, la miséricorde de Dieu. Voilà, nous entrons dans cette célébration avec l'acte pénitentiel, le confiteor, je confesse à Dieu. Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous, pardonne-nous nos péchés et conduis-nous à la vie éternelle. Le Kyrie.
Kyrie qui est suivi du Gloria. Prions. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fils une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Pour les siècles. Voilà, nous entrons maintenant dans la deuxième grande partie de cette célébration, de cette messe, la liturgie de la parole, avec la première lecture qui est tirée du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 2, versets 2 à 5. Du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leur père se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, c'est une engrance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Il
nostri occhi. Le psaume responsorial, le psaume 122 qui est chanté à l'instant. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop. Nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Passons maintenant à la deuxième lecture, tirée de la deuxième lettre de Saint Paul, qui lit en slovaque. Frère, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une échade, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Parole du Seigneur. La deuxième lecture tirée du livre de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Alléluia, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Pendant ce temps, le diacre Nous sommes entrés dans cette deuxième
Toujours dans cette deuxième partie de cette célébration eucharistique, la liturgie de la parole, avec la proclamation maintenant de l'évangile, évangile selon saint Marc. Il Signore sia con voi. Le Seigneur soit avec vous. Dal Vangelo secondo Marco. De l'Évangile selon saint Marc. In quel tempo, en ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient : D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à ce sujet. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Parola del Signore. Nous allons dans un court instant entendre l'homélie du Saint-Père après l'évangile, après la proclamation de l'évangile, évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Pour réveiller l'espérance des cœurs affligés et pour soutenir les efforts du voyage, Dieu a toujours suscité des prophètes au milieu de son peuple. Cependant, comme nous le dit la première lecture d'aujourd'hui dans l'histoire d'Ézéchiel, ils ont souvent trouvé un peuple rebelle, des fils au visage dur et le cœur obstiné, et ils ont été rejetés. Jésus fait lui aussi la même expérience que les prophètes. Il revient à Nazareth, sa patrie, parmi les gens avec lesquels il a grandi, mais il n'est pas reconnu. Il est même rejeté. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. L'Évangile nous dit que Jésus était pour eux un sujet de scandale. Mais le mot scandale ne se réfère pas à quelque chose d'obscène ou d'indécent, comme nous l'utilisons aujourd'hui. Le scandale signifie pierre d'achoppement, c'est-à-dire un obstacle, une entrave, quelque chose qui bloque et empêche d'aller plus loin.
Demandons-nous quel est l'obstacle qui nous empêche de croire en Jésus. En écoutant les discours de ses compatriotes, nous constatons qu'il s'arrête qu'à son histoire terrestre, à des antécédents familiaux, et par conséquent, ils ne parviennent pas à expliquer comment du fils de Joseph le charpentier, c'est-à-dire une personne ordinaire, pouvait sortir autant de sagesse et même la capacité d'accomplir des prodiges. Le scandale, c'est donc l'humanité de Jésus. L'obstacle qui empêche ces personnes de reconnaître la présence de Dieu en Jésus est dû au fait qu'il est humain, qu'il est simplement le fils de Joseph, le charpentier. Comment Dieu, le Tout-Puissant, peut-il se révéler dans la fragilité de la chair d'un homme? Comment un Dieu tout-puissant et fort qui a créé la terre et libéré son peuple de l'esclavage peut-il se rendre faible au point de venir dans la chair et de s'abaisser pour laver les pieds des disciples? C'est cela le scandale. Frères et sœurs, voilà une foi fondée sur un Dieu humain qui s'abaisse vers l'humanité, qui en prend soin, qui s'émeut de nos blessures, qui prend sur lui nos fatigues, qui se rend comme un pain pour nous. Un Dieu fort et puissant qui est à mes côtés et me satisfait en tout, est attirant à un Dieu faible qui meurt sur la croix par amour et qui me demande aussi de dépasser tout égoïsme et d'offrir ma vie pour le salut du monde à un Dieu inconfortable. Et cela, frères et sœurs, est un scandale. Et pourtant, en nous plaçant devant le Seigneur Jésus, en posant notre regard sur les défis qui nous interpellent, sur les nombreuses questions sociales et politiques également abordées au cours de cette semaine sociale, sur la vie concrète de notre peuple et sur ses luttes, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous avons précisément besoin de cela. Ce scandale, le scandale de la foi, le scandale de la foi. Non pas d'une religiosité repliée sur elle-même, qui lève son regard vers le ciel sans se préoccuper de ce qui se passe sur terre et qui célèbre des liturgies dans le temple, en oubliant la poussière qui s'écoule dans nos rues. Ce dont nous avons besoin, c'est du scandale de la foi. Nous avons besoin du scandale de la foi, une foi enracinée dans le Dieu qui s'est fait homme, et par conséquent, une foi humaine, une foi de chair, qui entre dans l'histoire, qui caresse la vie, qui caresse la vie des gens, qui guérit les cœurs brisés, qui devient ferme d'espérance et semence d'un monde nouveau. Le pape qui s'excuse des rayons du soleil qui le dérange un tout petit peu. C'est une foi qui réveille les consciences de leur torpeur, qui met le doigt sur les blessures de la société qui sont nombreuses et qui pose des questions sur l'avenir de l'homme et de l'histoire. C'est une foi inquiète qui nous... Une foi inquiète. Une foi que nous recevons, qui est en mouvement dans notre corps.
une foi qui nous aide à surmonter la médiocrité et la paresse du cœur qui devient une épine dans la chair d'une société souvent anesthésiée et assommée par le consumérisme. Je souhaite m'appesantir un peu. Notre société. Est-ce que vous avez pensé que le consumérisme est dans votre corps? Non. Le consumérisme est une plaie. C'est un cancer qui fait mal au corps, qui nous fait voir que nous-mêmes. Frères et sœurs, et surtout, nous avons besoin d'une foi qui dissipe les calculs de l'égoïsme humain, qui dénonce le mal, qui pointe du doigt l'injustice, qui dérange les intrigues de ceux qui, à l'ombre du pouvoir, jouent sur le dos des faibles. Ils sont nombreux. Ils sortent de la foi pour exploiter les pauvres personnes. Un poète de cette ville décrivant dans un texte son habitude de rentrer chez lui le soir raconte qu'il traverse une rue un peu sombre, un lieu de déchéance où les hommes et les marchandises du port sont des détruits, c'est-à-dire des déchets de l'humanité. Et pourtant, c'est ici, écrit-il, que je retrouve en passant l'infini dans l'humilité. Car la prostituée et le marin, la femme querelleuse et le soldat sont tous des créatures de vie et de douleur. Le Seigneur s'agite en eux comme en moi. Nous n'oublions pas. Dieu se cache dans les coins sombres de la vie et de nos villes. Avez-vous pensé cela? Sa présence, la présence de Dieu se révèle précisément dans les visages creusés par la souffrance ou de la décadence semble triompher. L'infini de Dieu se cache dans la misère humaine. Le Seigneur s'agite et se fait présence amicale. Précisément dans la chair blessée des derniers, des oubliés et des mis au rebut. Et nous qui nous scandalisons parfois inutilement pour tant de petites choses, nous ferions bien de nous demander plutôt pourquoi, face au mal qui sévit à la vie humiliée, aux problématiques du travail, à la souffrance des migrants, ne sommes-nous pas scandalisés? Pourquoi restons-nous apathiques et indifférents? Indifférent face aux injustices du monde, pourquoi ne prenons-nous pas à cœur la situation des prisonniers qui de cette ville de Trieste aussi s'élève comme un cri d'angoisse?
non contempliamo. Pourquoi nous ne contemplions pas les misères de toutes ces personnes mises de côté dans cette ville? Pourquoi avons-nous peur? Nous avons peur de trouver le Christ là, dans ces personnes. Cher ami, Jésus a vécu dans sa chair la prophétie de vie quotidienne en entrant dans la vie et dans les histoires des gens, en manifestant la compassion de Dieu dans les vicissitudes humaines et fragiles. C'est pour cela qu'il a scandalisé certains. Il est devenu un obstacle. Il a été rejeté du point d'être jugé et condamné, mais il est resté fidèle à sa mission. Il ne s'est pas caché derrière l'ambiguïté. Il ne s'est pas accommodé de la logique du pouvoir politique et religieux. Il a fait de sa vie une offrande d'amour au Père. Il en est de même pour nous chrétiens. Nous sommes appelés à être des chrétiens, des prophètes et des témoins du royaume des dieux dans toutes les situations que nous vivons, dans tous les lieux que nous habitons. Frères et sœurs, depuis cette ville de Trieste, qui domine l'Europe, carrefour de peuples et de cultures, terre de frontières, nourrissons le rêve d'une nouvelle civilisation fondée sur la paix et la fraternité. Ne nous scandalisons pas de Jésus, mais au contraire, indignons-nous pour toutes ces situations où la vie est dégradée, blessée et tuée. Portons la prophétie de l'Évangile dans notre chair, avec nos choix avant les mots. La cohérence de nos choix. Et à cette église triestine, je voudrais dire, allez-y. Continuez à vous engager en première ligne pour diffuser l'évangile de l'espérance, en particulier à ceux qui arrivent de la route des Balkans et à tous ceux qui, dans leur corps ou dans leur esprit, ont besoin d'être encouragés et consolés. Engageons-nous ensemble pour qu'en redécouvrant notre amour pour le Père, nous puissions vivre tous comme des frères et des sœurs, tous frères. Merci. Voilà, après l'homélie du pape, nous observons un petit temps de silence pour la méditation personnelle. Rappelons que le pape à Trieste, en visite pastorale à l'occasion de la clôture de la 50e semaine sociale organisée par la conférence épiscopale italienne. Maintenant, nous sommes à cette célébration eucharistique qui mettra fin à sa visite pastorale ce dimanche 7 juillet à Trieste. Nous venons d'entendre le pape et la messe qui se poursuit.
avec la profession de foi. Je crois en Dieu. Profession de foi. Chers frères et sœurs, le Christ Jésus est le médiateur de la plénitude de la révélation divine, de toute la révélation divine, et nous lui adressons notre prière confiante pour qu'il ouvre nos cœurs à la bonté de Dieu, qui a voulu partager notre humanité. Nous passons maintenant à la prière universelle. Seigneur, nous te prions, écoute-nous. Soutiens l'Église afin qu'elle soit le levain et l'âme du monde et qu'elle annonce à tout homme que tu es l'amour qui sauve. Inspire le pape François et les évêques afin qu'ils conduisent par la parole et par l'exemple ton troupeau et qu'ils témoignent de l'Évangile avec authenticité et courage. Seigneur, nous te prions, écoute-nous. Assiste ceux qui nous gouvernent afin qu'ils ne s'écartent jamais de ta volonté et qu'ils promeuvent le soin de la maison commune et le développement de chaque peuple. Seigneur, nous te prions, écoute-nous. Réconforte ceux qui sont dans l'épreuve, afin qu'ils puisent force et consolation dans ta Pâque et qu'ils reconnaissent chaque jour ta présence et ton amitié. Seigneur, nous te prions, écoute-nous. Console tous ceux qui souffrent en violation des droits humains, des tensions entre les peuples et des horreurs de la guerre, afin qu'ils trouvent en toi la source de la liberté et qu'ils œuvrent pour une ère de fraternité et de paix. Seigneur, nous te prions, écoute-nous. Regarde-nous, convoqués ici par
ta parole, afin que nous puissions accroître dans la capacité de rencontre et de collaboration, que nous puissions œuvrer ensemble à la construction d'un monde plus juste et fraternel. Seigneur, nous te prions, écoute-nous. Entends, Seigneur, les invocations que l'Église t'adresse. Ta présence bienveillante dans nos vies réconforte notre faiblesse. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Ça se poursuit ici à Trieste, à la place de l'Unité. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, le pape est ce dimanche à Trieste depuis ce matin pour la clôture de la 50e semaine sociale des catholiques italiens, promu par la conférence épiscopale italienne. Et cette visite pastorale s'achève donc avec cette messe en cours. Le pape qui, à son arrivée, a rencontré les représentants, les participants à cette semaine sociale. Il les a exhortés à faire de la démocratie, à faire revivre la démocratie. Voilà. Prions. Seigneur, tu nous as nourris par les dons de ta charité sans limite. Fais-nous jouir des bienfaits du salut et fais que nous vivions toujours dans l'action de grâce par le Christ notre Seigneur. Et donc, cette messe se poursuit. Selon le programme, nous allons entendre maintenant le mot de l'évêque de l'ordinaire du Dieu, Monseigneur Enrico Trevisi. Carissimo Papa Francesco. Très cher Pape, je fais l'interprète de cette grande assemblée pour vous dire merci. Grâce à vous, nous avons goûté à faire partie de la grande famille de Dieu, à participer au grand projet du Père qui veut que nous soyons tous frères et sœurs. Au nom de toute l'Église de Trieste, merci. Voilà. Voilà. Dieu parle et comprend toutes les langues, pas seulement l'italien et le slovène. C'est nous qui devons apprendre la langue de l'amour de Dieu, qui est le Christ Jésus. Nous sommes la famille de Dieu. Il mio sloveno sanno tutti che è pessimo, però voglio bene a tutti gli sloveni. Nous sommes, voilà. La présence des Slovènes. Nous sommes la famille, une ville qui est construite grâce à l'apport de tant de cultures et de peuples, mais aussi de tant de souffrances et de violences. Et nous voulons relever le défi d'être un laboratoire de paix et de dialogue également pour d'autres terres qui sont encore déchirées par des tensions et des guerres. Que les miracles, les martyrs Francesco Bonifacio, Miroslav Bulerzic et Lodge Grodes intercèdent. C'est précisément sur la base de l'Évangile et aussi à travers le dialogue écuménique et interreligieux que nous voulons participer avec détermination à la construction de relations différentes entre les peuples et les pays.
Je vous remercie également au nom des nombreuses personnes âgées et des enfants qui nous ont suivis par le biais de la télévision. Le premier cadeau que nous vous offrons, ce sont des centaines de lettres que les personnes âgées et les enfants ont spontanément commencé à vous écrire et que nous avons ensuite collectées. Elles sont comme autant de câlins, de gestes d'affection et de tendresse qui viennent d'eux. Quand vous vous sentirez un peu fatigué le soir, pensez à ces câlins que vous avez reçus, que vous avez reçus à Trieste. Nous vous laissons également avec la réinterprétation moderne de l'image de la Vierge de Sainte de la Santé, à laquelle les habitants de Trieste sont particulièrement attachés. Le lasciamo anche una rivisitazione moderna dell'immagine. Vado avanti. Voilà, nous vous laissons également avec une réinterprétation moderne de l'image de la Vierge Marie de la Santé, à laquelle les habitants de Trieste sont particulièrement attachés, on l'a dit. Alors, qui est très, le pape qui continue de saluer les enfants présents. Trieste est une ville laïque, mais qui sait encore vénérer Marie dans les nombreuses églises qui lui sont dédiées. Et à l'école de Marie, nous nous engageons à veiller sur nos frères et sœurs les plus vulnérables, à les accompagner dans leur lutte. Nous invoquons sa bénédiction. Nous l'invoquons sur Manuel, un jeune homme souffrant de la sclérose latérale. Et nous l'invoquons sur tous les malades souffrant de cela. Nous invoquons sa bénédiction sur Laura, Rita, Don Carlo. Qu'ils puissent toujours connaître la joie d'être la famille de Dieu. Nous invoquons sa bénédiction sur tous les jeunes mariés et les familles, à commencer par Simon et Anna, Lorenzo et Elisa, qui se sont mariés hier, qu'ils expriment la joie de construire leur amour sur l'amour de Dieu. Nous invoquons sa bénédiction sur tous les pauvres et sur tous les migrants, comme sur Hassan et Madia, qu'ils nous trouvent courageux pour inventer des manières intelligentes de les accueillir comme des bien-aimés de Dieu et non comme des menaces. Une bénédiction aussi pour nos détenus et prisonniers. Nous sommes émus à l'idée qu'ils ont contribué aux deux mosaïques qui ornent cet hôtel. Ils ont également réalisé un tableau. Nous invoquons également une bénédiction sur notre Église, sur toute l'Église italienne. Une bénédiction sur les Églises sœurs qui sont avec nous, qui célèbre avec nous la rencontre de la fraternité, de la rencontre. Sa bénédiction pour savoir vivre la joie de l'Évangile et pour savoir partager avec tous ceux que nous rencontrons dans les rues de notre ville. Merci Saint-Père pour votre bénédiction et nous n'oublions pas de prier pour vous. Nous vous confions Notre-Dame de la Santé de Trieste. Voilà. Le mot de remerciement de Monseigneur Enrico, l'évêque de Trieste, qui salue maintenant le pape, qui a invoqué la bénédiction de Dieu sur
les personnes malades, les souffrants. Et le pape qui remet comme cadeau au diocèse un calice. Et nous poursuivons avec le pape qui veut qui souhaite remercier l'évêque pour tant de choses. Voilà, il n'a pas seulement parlé des malades, mais il les a nommés. Et cela est un exemple. Parce que l'amour est concret. Merci à l'archevêque. Chaque personne, sainte ou malade, petit ou grand, et une personne est une dignité, a une dignité. Et la dignité se fait avec le nom, et lui, il connaît les noms. Et je vous souhaite d'aller de l'avant avec cette connaissance. Une fois, j'ai trouvé une paroisse dans un curé dans une montagne. Et je lui ai demandé, est-ce que es-tu capable de connaître les noms de tes paroissiens? Et il m'a répondu, je les connais et je connais les noms de toute leur famille. L'invitation du pape donc à tous les pasteurs à connaître le nom de leurs fidèles. Et c'est en cela qu'il salue l'exemple de Monseigneur Enrico. Chers frères et sœurs, avant la bénédiction finale, je voudrais vous saluer tous réunis sur cette place très subjective. Je remercie l'évêque pour ses mots et surtout pour la préparation de la visite et avec lui tous ceux qui ont collaboré de multiples façons, en particulier pour la liturgie et les différents services. Le pape qui invite à saluer une belle liturgie et l'invite ainsi que toutes les nombreuses personnes qui ont participé à cette prière. Je vous assure de ma proximité avec tous les malades, les prisonniers, les migrants, tous ceux qui rencontrent de grandes difficultés. Trieste est l'une des portes de ces villes qui ont besoin, qui ont pour vocation d'être un lieu de rencontre de peuples différents. Tout d'abord parce que c'est un port et un port important, et ensuite un port est important, et ensuite parce qu'elle se trouve au carrefour de l'Italie, de l'Europe centrale et des Balkans. Dans ces situations, le défi pour la communauté ecclésiale et pour la communauté civile est de savoir conjuguer ouverture et stabilité, accueil et identité. Je pense pouvoir vous dire, vous avez toutes les cartes en main pour relever ce défi. Vous avez les cartes en main pour affronter, comme et en tant que chrétien, nous avons l'Évangile qui donne un sens et une espérance à notre vie. Et en tant que citoyen, vous avez la Constitution, une boussole fiable pour le cheminement de la démocratie. Alors, en avant, sans peur, ouvert et ferme dans les valeurs humaines et chrétiennes, accueillant, mais sans compromis sur la dignité humaine. On ne joue pas avec cela.
Depuis cette ville, renouvelons notre engagement à prier et à travailler pour la paix, pour l'Ukraine martyrisée, pour la Palestine et Israël, pour le Soudan, pour la Birmanie et tous les peuples qui souffrent de la guerre. Invoquons l'intercession de la Vierge Marie, vénérée sur le mont Grisa comme mère et reine. Voilà le mot qui précède la prière, la récitation de la prière mariale, la prière de l'Angelus, avec le peuple de Dieu rassemblé sur cette place de l'unité. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Grazie a tu, an questum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Cristi figli tua incarnazione con Iovim, per passione meius del crucem, a resurrezione gloria perducamo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, regim aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua tua. Requiescant in pace. Dominus obiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
Voilà, nous sommes à la fin de cette célébration eucharistique depuis la place de l'Unité de Trieste. On l'a dit, le pape est en visite pastorale à l'occasion de la clôture de la semaine sociale catholique. Et cette messe vient de mettre fin à cette visite pastorale. Le pape qui sera de retour à Rome dans quelques heures. Voilà, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis via nos radios et télévisions partenaires, EWTN TV France, KTO Radio France, RCF Radio Chrétienne en France, Radio Espérance, Radio Notre-Dame, Radio Salve Regina en Corse en France et tous ceux qui nous ont suivis via Internet. C'est tout pour ce dimanche. Le pape qui vient de finir cette messe à Trieste à l'occasion de la 50e semaine sociale italienne. Merci de nous avoir suivis. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. À très bientôt. Gentilmente di rimanere al vostro posto, nel vostro settore, fino a nuove indicazioni. Grazie. Sento il maestro, ti faccio sapere.
Vi chiediamo di avere ancora un attimo di pazienza, grazie. Rimanete ancora nei vostri settori. Thank you.
all'orizzonte una grande luce, lontana è una storia, lungo gli anni ha vinto tu, facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela, non si conosce la verità. Le strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura e da questo cielo, e il mondo intero, che oggi si può muovere, visto tra noi siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando a noi. Sangue per amore, che ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire, seguendo Cristo insieme a Pietro, nasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi, siamo puri. Sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. La vita vive, Pasqua in tutto il mondo, quanto soffia in ogni uomo, lo spirito fecondo che porta avanti nella storia, chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di maghi, comunità siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Thank you.
día siempre nuevo para recomenzar. Cambiar de ruta y con palabras nuevas, cambiar el corazón para decir al mundo, a todo el mundo, Cristo Jesús. Ci vuole ricevere il grande mistero.